Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Alors attention, ne ratez surtout pas cette vidéo car ce tour est vraiment exceptionnel. Vous allez voir, vraiment très simple à réaliser, avec un jeu de cartes complet tout à fait ordinaire, extrêmement simple et franchement l'effet au final est vraiment exceptionnel. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, je vais vous faire un petit concours pour tenter de faire gagner à l'un d'entre vous mon dernier VOD qui est sorti sur Magie Streaming, le VOD Twist Card. Bref, je vous en parle juste après la démo, allez c'est parti. On se retrouve pour la démo et pour ce tour on va avoir besoin d'un jeu de cartes, de 52 cartes différentes entièrement mélangées. Et d'ailleurs le spectateur peut prendre le jeu en main et s'il désire le couper plusieurs fois. Alors vraiment ce sont des vraies coupes, hein. Donc il peut couper plus ou moins un tiers, à la moitié, vraiment comme il le désire, autant de fois qu'il veut vraiment. Quand il a fini il récupère le jeu et là il va faire défiler les cartes, donc il va les défiler une par une sur la table face en l'air et vraiment il s'arrête vraiment où il désire. Donc c'est lui qui choisit, c'est lui qui fait ça, là je le fais pour lui, mais il s'arrête vraiment où il veut. S'il voulait s'arrêter au début il peut, s'il veut s'arrêter vers la fin il peut aussi, il n'y a aucun forçage. Vraiment là je fais défiler pour vous dans la vidéo, mais vraiment c'est le spectateur qui choisirait l'endroit où il veut s'arrêter. Donc imaginons que le spectateur s'arrête ici, exemple là on tombe sur un 8, le 8 de cœur. Donc le spectateur continue et va tout simplement compter 8 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et la huitième, on va la laisser juste ici de côté, juste ici. Et moi, juste là, je vais vous montrer un petit truc. J'avais fait dans ma poche une petite prédiction là d'une carte, juste ici. Une carte à dos rouge différente des autres. Hein. Et là, par le plus grand des hasards, le spectateur s'est arrêté vraiment où il a désiré parmi tout le jeu, hein, avec des cartes toutes différentes, vraiment. Et pourtant, si on regarde, ma prédiction match parfaitement avec la carte où le spectateur s'est arrêté. Et pour moi là c'est un vrai miracle car le jeu est entièrement normal. Et voilà, c'était la petite démo du tour. Un tour vraiment exceptionnel, vraiment je ne triche pas parce que c'est la vidéo, ça se passerait comme ça en vrai. C'est le spectateur qui vraiment qui détermine le choix où il décide de s'arrêter. Il n'y a aucun forçage, le tour est vraiment exceptionnel. Donc comme d'habitude, pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser ce tour, je vous invite à vous rendre dans la description de la vidéo ou dans la section commentaires. Vous avez le lien de la vidéo explicative. Et pour les autres, j'espère que vous avez apprécié regarder cette petite démo. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Et également mon école de magie 100% gratuite www.magistreaming.fr, où vous retrouverez tout simplement les bases de la magie des cartes ainsi que la magie des pièces, tout ça accompagné de tours expliqués, et également la section VOD Magie Streaming où vous allez pouvoir retrouver des DVD, des vidéos un peu plus élaborées en passant par la création de gimmicks et autres. Et d'ailleurs comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais tenter de vous faire gagner à l'un d'entre vous une licence du dernier tour que je viens d'ajouter dans cette section. Et ce tour c'est Twist Card. Alors Twist Card, qu'est-ce que c'est? C'est un effet qui va se faire tout simplement avec une carte à jouer ou deux cartes à jouer, une routine complète en deux phases. La première phase se fait avec deux cartes, vous présentez en fait deux cartes, soit une bleue soit une rouge ou deux bleus, peu importe. Les cartes sont pliées et sont insérées l'une dans l'autre. Et pourtant, d'un geste magique, l'une des deux cartes se retourne de moitié. Un vrai paradoxe pour le spectateur. Bien entendu, quand vous revenez dans l'autre sens, forcément, la carte se retourne de nouveau. Et tout ça vraiment très près du spectateur. Vous enchaînez en voulant aller encore plus loin dans cette expérience, en retirant une carte et en utilisant uniquement l'une des deux cartes qui est pliée dans le sens de la longueur. Et là, tout simplement, en passant votre main au-dessus de la moitié de la carte passe face en l'air. Vous revenez, la carte revient face en bas. Par la suite, c'est la carte qui se retourne totalement. Et pour finir, vous déchirez la carte pour laisser un souvenir à votre spectateur. Un vrai paradoxe, une carte qui est à la fois croisé face en l'air et face en bas. Vraiment, vous n'avez rien à cacher et vous laissez tout à l'examen. Bref, un tour idéal à Street Magic ou en impromptu. Vous allez pouvoir faire ce tour avec des cartes ou des cartes de visite, les cartes de votre choix. Bref, c'est super visuel. Je vous invite vraiment à aller voir le teaser de la vidéo. Je vous ai mis également le lien dans la description. La vidéo explicative en français vous explique tout en détail. Vraiment, il y a plus de 16 minutes de vidéo où je vous apprends dans les moindres détails comment fabriquer le gimmick, l'utiliser, divers conseils. Bref, tout ce qu'il faut savoir sur cette routine. Et du coup, je me suis dit aussi, pourquoi pas tenter de faire gagner l'un d'entre vous ce tour. Et comme d'habitude, c'est très simple pour participer. On va faire ça à un tirage au sort. Donc pour participer c'est très simple, il va falloir être abonné à ma chaîne YouTube Tuto Magie ainsi qu'à la chaîne YouTube Magie Streaming, c'est ma chaîne secondaire dédiée justement à la plateforme. C'est très important d'être abonné à ces deux chaînes, sinon lors du tirage au sort eh bien, vous serez directement blacklisté. Donc vraiment soyez abonné, sinon ça marchera pas. Par la suite il suffit de liker cette vidéo et la troisième chose à faire c'est tout simplement de mettre un commentaire, peu importe le commentaire, il suffit d'en mettre un seul, pas deux. Si vous en mettez deux également vous serez blacklisté. Donc au final il suffit d'être abonné à la chaîne Tuto Magie et Magie Streaming, liker la vidéo et ajouter un simple commentaire dans cette vidéo. Et moi derrière, la semaine prochaine, je ferai un tirage au sort. D'ailleurs, je le filmerai et je le posterai sûrement en story sur Instagram. Et derrière, comme d'habitude, comme je fais à chaque fois, je mets un commentaire sur le commentaire gagnant du participant pour derrière prendre contact avec lui et lui envoyer le code pour avoir accès à sa licence gratuite pour télécharger tout simplement le tour qu'il a gagné. Donc voilà, cette vidéo prend maintenant fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça vous permettra de participer au concours. Et moi, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.